Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes toujours dans notre étude. Amen. Soyez les bienvenus, vous qui êtes en ligne, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Nous sommes toujours dans notre étude de Luc chapitre 8, le verset 11, qui est le thème de base. Il reste une portion. Nous allons tout doucement finir. Amen. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est ce qui a créé le monde, est ce qui a créé même ta vie. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est une parole. Amen. Amen. Et je ne cesse de dire, de faire attention à la parole qui sort de ta bouche. La parole te construit, la parole aussi que tu libères peut te détruire. Amen. La Bible dit dans Proverbes 21, le verset 22, « Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. » Verset 23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Alléluia. « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. » Il y a de ces problèmes que tu peux t'attirer parce que tu ne sais pas fermer ta bouche. Tu ne sais pas préserver ta bouche. Tu ne sais pas garder ta langue. Alléluia. C'est le plus petit élément du corps, mais qui peut mettre le feu dans toute la maison. Amen. Fais très attention à toute parole que tu libères. Partout où tu es, ce n'est pas seulement en assemblée, mais partout où tu te trouves. Alléluia. Que Dieu, par son Esprit Saint, dirige les paroles qui sortent de ta bouche. Amen. Merci Seigneur. Et nous continuons. Amen. Merci Seigneur. Luc chapitre 8. Je suis dans la troisième catégorie de personnes qui ont entendu la parole, et nous avons traité de cela la fois dernière, je crois la troisième fois d'ailleurs même, et nous sommes arrêtés sur l'histoire du jeune homme riche que Jésus a aimé parce que c'était un jeune homme. Vous pouvez retrouver l'histoire dans Marc 10 pour ceux qui ne la connaissent pas. Jésus l'a aimé parce qu'il observait la loi de Moïse. Il marchait selon le commandement de Moïse. Et ce jeune homme, ayant entendu parler de Jésus, ayant vu Jésus opérer, est allé le voir parce qu'il cherchait la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, « Va et vends tes biens, donne-les aux pauvres et viens et suis-moi. » Et ce jeune homme s'en alla tout triste. Ce jeune homme s'en alla tout triste parce que son cœur était attaché à ses biens. Et Jésus voulait d'abord que son cœur se détache de ses biens. La leçon, que nous devons apprendre ici, c'est ce que je peux appeler pour ma part, amen, la loi de l'attachement et la loi du détachement. Vous savez, tu ne peux pas t'attacher quelque part si au préalable tu ne t'es pas détaché. Amen. Jésus voulait que ce jeune homme qui l'aimait, parce qu'il l'a aimé, quand tu aimes une personne, tu veux sauver cette personne. Mais Jésus s'est rendu compte d'un réel problème, un problème sérieux dans sa vie. Il était riche, c'est une bonne chose. Dieu n'est pas contre. Mais son cœur était attaché aux richesses. Or, le texte que nous étudions depuis dit que les soucis de la vie, les plaisirs de ce monde, la convoitise des richesses éloignent ceux qui entendent la parole de Dieu de sa volonté. Ils entendent et ils ne pratiquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont envahis par la convoitise des richesses, par les plaisirs de la vie. Donc ce jeune homme, étant riche, sûrement vivait une vie bien. Parce que quand on a de l'argent, on peut se permettre certaines choses. Mais ce qui est intéressant avec ce jeune homme, c'est que c'était un jeune homme qui observait la loi de Moïse, malgré sa richesse. Amen. Donc on peut être riche et continuer d'observer la loi de Dieu. Amen. Mais il y a un principe qui manquait dans sa vie. Son cœur était attaché à sa richesse.
C'est cela que Paul dira à son fils Timothée, recommande aux riches de ne pas mettre leur espérance dans la richesse. Amen. Lui, cet homme, ce jeune homme, était riche, mais son cœur était attaché à sa richesse. La loi du détachement. Il faut pouvoir se séparer. Et Jésus poursuit, il dit, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Pour suivre Jésus, il faut d'abord se détacher de quelque chose. Il faut d'abord accepter de laisser partir quelque chose. Il faut d'abord accepter de tourner dos à ce que tu aimes dans la vie. C'est ça le sacrifice pour suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus et en même temps vouloir t'attacher aux choses qui te séparent de lui. Il faut faire un choix. Mais Jésus n'oblige personne. Amen. Jésus n'oblige personne. Ce jeune homme est allé tout triste. Vous remarquerez que Jésus ne l'a pas poursuivi pour essayer de le convaincre. Amen. Jésus l'a laissé partir. Jésus connaît l'état de son cœur. La Bible dit qu'il est allé tout triste. Dieu même sait l'état du cœur de chaque homme. Tu peux blaguer un homme, mais tu ne peux pas blaguer Dieu. Jésus qui l'a aimé, malgré qu'il aimait cet homme, il n'a pas poursuivi cet homme. Non. Pourquoi? Parce que l'évangile, le christianisme, se fait dans la liberté, sans contrainte ni obligation. Amen. On ne poursuit pas quelqu'un pour suivre Dieu. Amen. On prêche la parole, on annonce la bonne nouvelle. Il y a ceux qui acceptent et ils suivent Jésus. Il y a ceux qui n'acceptent pas. Mais Jésus continue son chemin. Amen. On ne poursuit pas quelqu'un. On te prêche la parole. Si on doit te poursuivre pour suivre Jésus, ça veut dire que Jésus n'est pas la priorité de ta vie. La Bible est très claire. Là où est ton trésor, c'est là-bas que se trouvera ton cœur. C'est cette parole. Et je bénis Dieu qui commence à me conduire, qui commence à m'orienter par rapport aux relations avec les autres. Parce que les excuses, on en a beaucoup. Et chacun de nous a des excuses pour ne pas faire X ou Y chose. Nous tous. Mais j'ai commencé à comprendre en profondeur cette parole. Là où ton cœur est, c'est parce que c'est là-bas se trouve son trésor. Une personne qui a tout le temps des excuses, ne te fatigue pas. Son cœur n'y est pas parce que ses trésors ne s'y trouvent pas. Amen. Jésus ne poursuit personne. Arrête de poursuivre les gens qui viennent à Jésus. Tu les suis, tu cours après eux. Non. Annonce seulement l'évangile. C'est le Saint-Esprit qui, dans le cœur de l'homme, va te convaincre. C'est lui qui convainc les cœurs. Tu appelles la personne 10 fois. Toi-même, tu es trop courageux, jusqu'à 10 fois. On t'appelle, viens, on va prier. Ça ne t'intéresse pas. Les excuses de je n'ai pas le temps, je suis occupé, arrête. Il faut arrêter. Dieu n'est pas ta priorité. Ton cœur est ailleurs. On doit te supplier pour faire quelque chose. Jésus n'a pas supplié ce monsieur. Il était riche. Moi, j'aurais poursuivi ce gars pour dire, viens dans mon église. Il est riche. Sa dîme peut payer ma salle. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus pouvait le poursuivre. C'est un homme riche. C'est bien de s'entourer des hommes riches. D'autant plus que Jésus, faisant son ministère, avait besoin des moyens pour aussi faire l'œuvre. Amen. Mais il ne l'a pas poursuivi. Le jeune homme est parti tout triste. Alléluia. Jésus l'a laissé partir. Ne poursuis pas les gens. Ne les poursuis pas. Je te dis la vérité. Ne poursuis personne. Annonce l'évangile. Parle de Jésus aux hommes. Encourage-les. Exhorte-les. Manifeste de l'amour. Et continue ton chemin. C'est ce que Jésus faisait. Lisez les évangiles. Jésus prêche la parole. Il annonce la parole. Les gens qui venaient à lui, il les guérit. Il leur fait du bien. Il leur donne à manger. Et il continue son chemin. Une fois, je vous ai parlé de Jean 6. Quand il les a nourris, le lendemain, ils sont allés chercher Jésus. Ils sont allés, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont dit non, Jésus se retrouve de l'autre côté de la,
du lac, ils sont allés trouver Jésus. Et Jésus a dit, pourquoi vous me cherchez? Je sais pourquoi vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas à cause de la parole que je vous annonce. Vous me cherchez parce que hier, vous avez mangé le pain, vous avez mangé le poisson. C'est pour cela que vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas parce que vous m'aimez. Vous ne me cherchez pas parce que je suis votre Dieu. Vous ne me cherchez pas parce que vous voulez la vie. Ce jeune homme est venu chercher Jésus parce qu'il voulait la vie. Il avait déjà ses richesses. On ne vient pas à Jésus. La motivation de venir au Seigneur, ce ne sont pas les richesses. Non, ce jeune homme était déjà riche, mais il lui manquait quelque chose. Malgré tout ce que tu as, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Il t'est rendu compte de cela et il est venu vers Jésus pour lui poser la question. Comment je peux faire pour être riche? Pardon, pour entrer dans le royaume des cieux. Va et vends ce que tu as. Amen. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Et Jésus ne voulait pas prendre les richesses de ce monsieur, mais il voulait que son cœur se détache. Il faut que son cœur se détache. Comme Paul arrivait à ce que, quand vous lisez Paul, Paul s'est carrément détaché. Jusqu'à ce qu'il dise, quand je regarde les richesses de ce monde, quand je regarde la terre et tout ce qu'elle renferme, quand je regarde ses biens, je les vois comme de la boue. Ça, c'est lui qui le dit. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à se détacher, à se détourner, à faire de Jésus-Christ sa priorité. Et il dit, je prêche Christ et Christ crucifié. Voilà le sens de ma vie. Ce jeune homme était riche, mais cherchait un sens à sa vie. La vie éternelle. Alléluia. Recommande aux riches dans 1 Timothée 6, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18, c'est celui qui m'intéresse. Recommande-leur de faire du bien, d'être en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé. Amen. Sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La vie éternelle, n'est-ce pas? Afin de saisir la vie véritable. La vie véritable, c'est la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit à ce jeune homme. Va vendre sur moi. Ainsi, tu vas faire quoi? Tu vas emmagasiner un trésor dans le ciel. Si ton cœur se détache de tes richesses et tu me suis, tu emmagasines des choses. En fait, ce dont ton cœur se détache sur la terre s'emmagasine au ciel pour toi. Amen. Tu auras des richesses. Tu auras un trésor. Et ce que Paul aussi a recommandé à Timothée d'enseigner dans son ministère et dans son église. Il faut leur dire de ne pas s'attacher à leur richesse. D'où est-ce que Paul a appris ça? Il a appris ça de Jésus. Paul n'était pas physiquement avec Jésus pendant son ministère, mais Paul a eu beaucoup de révélations de la part de Jésus. Paul dit à son fils Timothée, recommande-le. Il n'a pas dit aux riches de devenir pauvres. Il n'a pas dit aux hommes, dis-leur qu'ils ne doivent pas chercher l'argent. Il ne leur a pas dit ça. Il n'a pas dit, abandonnez tout ce que vous avez, ne courez pas. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, ne pas s'attacher à ça. De ne pas aimer ça plus que Dieu. Faut l'avoir, c'est important. Là, faut avoir de l'argent, c'est très important. C'est même capital et je dirais même vital. Parce que partout où tu passes, tu as besoin d'argent. Mais que l'argent ne soit pas un mauvais serviteur dans ta vie. Amen. Amen. Là où est ton cœur, automatiquement, quand tu veux connaître quelqu'un, regarde, il va te dire les paroles, ne t'arrête pas seulement sur ses paroles. Mais regarde ce qu'il fait, regarde là où il passe son temps. Tu sauras où se trouve son cœur. On ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. Amen. Amen. On ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. On ne peut pas aimer maman et aimer Dieu. Il faut choisir un. Et verset 22 de Marc 10. Mais affligé de cette parole,
Cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Cet homme n'avait pas de petits biens. C'est facile, hein, de donner 10 euros, de se séparer de 10 euros. C'est très facile. Je donne 10 euros, bon, même 30, voire 100, 150, 200. Là encore, c'est gérable. Mais quand on commence à rentrer dans 1000, ça réfléchit. Parce que Dieu aime la multiplication de Dieu. Quand vous lisez, c'est 100 000, 10 000, 100 000. Quand on rentre dans la dimension de 1000, qui va donner 1000 euros, c'est compliqué. Qui va donner 50 euros, c'est facile. Parce que ton cœur a du mal à se détacher. Qui va donner 1 million d'euros, c'est compliqué. Même celui qui en a 1 milliard, donner 1 million, il réfléchit. Amen. Mais nous devons mourir devant ces choses-là. Ce ne sont pas ces choses qui doivent nous diriger, mais c'est nous qui devons diriger notre vie. Verset 23, Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples, amen, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Bon, il y a certains qui prennent ce verset pour dire, bon, Jésus a dit que les riches n'iront pas au ciel. Jésus n'a jamais dit ça. Amen. Jésus a dit, il sera difficile. Quand on dit difficile, c'est le français. Ça sera compliqué. Pourquoi ça sera compliqué? Parce que le cœur du riche est attaché à sa richesse. C'est tout simplement le problème. Il sera difficile parce qu'ils auront du mal. Parce que tu auras du mal. Parce que nous aurons du mal à nous détacher de nos richesses. Donc, il nous sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Quelque part, Jésus est en train d'annoncer à ses disciples que ce monsieur, ayant observé la loi, risque de manquer le royaume de Dieu. Amen. Je ne dis pas qu'il manquera le royaume de Dieu, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite de sa vie, la Bible n'en parle pas. Mais, de la manière dont Jésus a parlé à ses disciples, il dit que ce sera difficile. Donc, le cœur de ce monsieur, il est tellement attaché à ses biens. Il a de grands biens. Tu as 3 jets privés, tu as des yachts, tu as des immeubles partout dans le monde, tu as des entreprises. Et puis tu dois regarder ça comme de la boue. Non, ce n'est pas possible. Tu as bataillé toute ta vie, ta jeunesse, tu l'as sacrifié. Il était jeune. S'il est riche, jeune, c'est qu'il a sacrifié sa jeunesse. Il a évité certaines choses pour pouvoir s'enrichir. Alléluia. Il s'est donné. Et son cœur s'est attaché à ça. Et qui dit, ce jeune homme riche, il sera difficile pour lui parce que son cœur est attaché. La loi de l'attachement et la loi du détachement. Il faut se détacher de quelque chose. Même quand tu veux être avec un homme ou une femme, quand tu es sérieux, tu te détaches si tu t'es attaché. Amen. Tu ne peux pas t'attacher à 2 hommes. Non. Est-ce que tu parles à la mairie avec 2 hommes? Pour le moment, non. Même si les hommes luttent pour des choses anti-bibliques, amen. Une femme ne peut pas aller à la mairie avec 2 hommes. Un homme ne peut pas aller à la mairie avec... Même ceux qui autorisent la polygamie, à la mairie, c'est une seule femme qui y va. Monsieur envoie une seule femme à la mairie. Les autres femmes sont reconnues, mais pas à la mairie. Parce qu'on ne peut pas s'attacher à 2 choses à la fois. Quand je parle d'attacher, je parle du cœur. Ton cœur ne peut pas s'attacher. Tu ne peux pas aimer, je parle de l'amour éros, l'amour entre un homme et une femme, tu ne peux pas aimer au même degré 2 personnes à la fois. Ce n'est pas possible. Il y a un, ce sera le vrai amour, mais il y a l'autre, l'amour conditionné. C'est simple. C'est-à-dire, je l'aime parce que. C'est ça en fait. Il sera difficile aux riches. Vous êtes avec moi? Ce jeune homme était attaché. Qu'est-ce qui t'attache aujourd'hui? Dans ta vie, il ne faut pas que tu reçoives la parole et que tu penses seulement au jeune homme, mais que nous tous, qu'est-ce qui m'attache? Parce que c'est ça qui me sépare de la parole de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est toujours dans mon thème, hein. C'est ce qui nous sépare. Je n'ai pas le temps pour méditer la parole. Pourquoi? Parce que mon cœur est attaché à quelque chose d'autre. Facilement.
Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prier. Pourquoi? Parce que mon cœur est attaché à quelque chose d'autre. Maintenant, cherche dans ta vie, qu'est-ce qui occupe tant ta vie pour ne pas avoir du temps pour Dieu? Quel est le trésor de ta vie? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Si tu enlèves le cœur, l'âme, les pensées, il reste le squelette. En fait, tu ne t'appartiens pas quand tu suis Jésus. Non, tu appartiens à Jésus. Et si Jésus est ton maître, tu obéis à ce qu'il dit. Tu deviens son disciple. Donc, examinons-nous nous-mêmes et regardons. Pour ce jeune homme, ce sont les grands biens. Même le pauvre s'attache à des choses. Attention, ne jette pas la pierre sur le riche. Même le pauvre s'attache à des choses. Amen. Mais le riche est plus exposé parce que l'orgueil facilement l'atteint. Mais le pauvre aussi peut être enflé d'orgueil dans sa pauvreté. Il y a des gens qui sont pauvres, qui refusent d'être aidés. Sans se rendre compte, c'est des orgueilleux. Parce que pourquoi c'est lui qui va m'aider? Je peux me débrouiller, je peux m'en sortir. C'est de l'orgueil. Accepte qu'on t'aide. Le pauvre aussi, amen, n'est pas exempt. Amen. Le royaume des cieux n'est pas pour les pauvres. Non, le royaume des cieux n'est pas pour les riches non plus. Le royaume des cieux est pour ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. Point. Que tu sois pauvre ou riche, si ton cœur s'attache à Jésus-Christ, le royaume des cieux est pour toi. Jean 15. Amen. Je suis le seul. Vous êtes les serments. Amen. Si tu ne t'attaches pas, blablabla, bla bla, on a lu ça une fois, non? Coupé, j'étais dans le feu. Oui. Donc, la loi de l'attachement. Ce matin, cette année 2022 en train de s'achever, cette année 2022, ton cœur s'est attaché où? Va le détacher. Alléluia. Comme Jésus qui a dit à ses disciples, allez détacher l'ânesse. Le détacher, parce que j'ai besoin. Tout ce que Jésus a besoin, il faut détacher. Amen. Jésus a dit, détache-le, amen, j'ai besoin, je suis un roi. Je dois m'asseoir sur lui. Allez-y, l'animal était un élément important pour la suite de son ministère. Il dit, détache-le, l'animal même. Même l'animal, il faut le détacher pour le donner à Jésus. Et ils l'ont détaché. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à détacher ce matin? Toute cette année, fais un bilan. Le bilan, ce n'est pas seulement professionnel, familial. Mais le bilan, il y a le bilan spirituel aussi. Le bilan spirituel de ta vie, où tu en es? Après 365 jours, hein, combien de dimanches? 52 dimanches, je ne sais pas, peut-être. En ajoutant les mercredis des cultes que tu fais, et par tes méditations personnelles, fais tout le bilan de tout ça. Où tu en es toi-même, finalement? Où nous en sommes-nous? Est-ce que ce que tu as décrété en 2022, concernant ta vie spirituelle, est-ce qu'en fin 2022, tu peux mettre... OK, ou bien c'est non OK. Qu'est-ce que tu peux mettre devant? Est-ce que tu as réussi à atteindre cette dimension? C'est bien de prendre les bonnes résolutions. Mais la Bible dit quoi? Il faut rester attaché. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer dans tes bonnes résolutions. Prends de bonnes résolutions. Cette 2023, tu vas encore prendre de bonnes résolutions. Mais à partir de janvier, février, tu te rends compte que tout doucement, tu t'éloignes de tes bonnes résolutions. Et tu te dis, bon, c'est pas grave, l'année est déjà avancée. On verra en 2024. Bon, tu repousses et tu repousses. Tu repousses et tu repousses. Jusqu'à ce qu'un jour, tu sois dans une tombe, hein, sans avoir accompli ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est maintenant, pendant qu'il est temps. Jésus a dit, pendant qu'il fait jour, je fais l'œuvre de mon Père. La nuit vient, où ce sera plus possible. La nuit vient. La nuit, pour toi, pour moi, ça sera la mort. Au-delà des tribulations, des persécutions, c'est la mort. C'est la nuit. Celui qui est mort, il a endormi, s'il est dans le noir, c'est fini. Tu ne peux plus travailler. Il n'y a plus de projet de vie. Il n'y a plus de plan. C'est terminé. Amen. Merci Seigneur pour cette parenthèse. Pour nous-mêmes.
pour nous-mêmes. Et fais le bilan spirituel. Est-ce que tu avances ou tu régresses? Je ne dis pas est-ce que tu vas à l'église ou tu écoutes la parole de Dieu. Est-ce que tu avances ou tu régresses? Je me tiens à la porte et je frappe. Je ne dis pas, sur 52 dimanches, j'ai été 50 fois à l'église. Je ne parle pas de ça. La vie chrétienne, le christianisme, c'est une relation personnelle et intime. La verticale d'abord, c'est-à-dire la croix, il y a l'horizontale, c'est-à-dire avec les hommes, et la verticale avec Dieu. Il faut faire le bilan avec Dieu d'abord, c'est comment? Et ensuite, le bilan horizontal avec les hommes, c'est comment? Qui sont ceux que tu as emmagasinés dans ton cœur jusqu'à présent où tu ne leur adresses pas la parole? Enfin, 2022, tu as toujours des gens emprisonnés. Horizontalement, est-ce que tes relations sont propres et saines? Amen. Pour ceux qui veulent bien sûr la paix, parce que tout le monde ne veut pas forcément la paix, même quand tu veux la paix autour de toi. Mais regarde dans ton cœur. Fais le bilan. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous rappeler ces choses-là. Ce jeune homme s'en alla tout triste. Je continue mon texte. Les disciples furent étonnés. Pardon? Oui, verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Les disciples furent étonnés. Parce que Jésus a dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Waouh! Comment ça? Les disciples, peut-être ils ont des parents riches. Ils ont des amis riches. Donc ils pensent à eux. Ils sont étonnés de cette parole de Jésus. Mais Jésus continue, mes enfants. Il utilise ici, mes enfants. Là il se révèle comme le Père. Amen. Tu ne peux pas dire mes enfants si tu n'es pas un père. Hein? Tu ne peux pas dire ça. Mes enfants, ne vous inquiétez pas, mes enfants. Je veux vous montrer le chemin pour entrer dans le royaume. Amen. Mes enfants, virgule, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile, il répète, il est difficile à ceux qui se confient. Pas à ceux qui sont riches, mais à ceux qui se confient. Pas à ceux qui sont riches seulement, mais à ceux qui se confient dans ces richesses. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Alléluia. Amen. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils sont étonnés premièrement parce que Jésus dit, pour les riches, c'est difficile. Et Jésus leur explique, pour un chameau, c'est plus facile d'entrer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples furent encore plus étonnés, ils dirent les uns aux autres, alors, qui peut être sauvé? Amen. Qui peut être sauvé dans ce cas, Jésus? Dis-nous, qui peut être sauvé? Verset 27, et je m'arrête là pour ce chapitre. Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Cela est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui se met en Dieu, en Christ Jésus. Nous avons tout en Christ Jésus. En dehors de Jésus, nous sommes incapables. Nous ne pouvons rien faire en dehors de lui. En dehors de lui, nous allons nous attacher aux richesses de ce monde et nous allons nous éloigner de la parole de Dieu, de sa volonté. Mais si nous nous mettons en Dieu, ce n'est pas possible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. La Bible dit que celui qui croit en Dieu, toutes choses sont possibles. Si tu crois en Dieu, si tu fais de Dieu ta priorité, c'est possible d'entrer. C'est ce qu'il dit. Si tu mets Dieu au-dessus de tes richesses, au-delà même de tes avoirs, Dieu est placé, il est centre, il est l'intérêt de ta vie. Cela est possible, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es riche, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais ne te confie pas dans tes richesses, confie-toi à Dieu. Ah, pour avoir la vie éternelle, c'est un seul chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité, c'est une vérité. C'est une seule vérité, il n'y en a pas deux. Je suis la vie, il y a une seule vie, il n'y en a pas deux. C'est la vie éternelle. Amen. Alléluia, il n'y en a pas d'autre vie.
L'autre, c'est la mort éternelle. Il n'y a pas d'autre vie, tu n'auras pas deux vies. Non, si tu es mort sans Jésus, tu iras l'autre côté, dans la mort, dans le feu éternel. Amen. Je suis le chemin, je suis la vérité. Je ne suis pas une vérité, je suis la vérité. Je suis le chemin, je ne suis pas un chemin, je suis le chemin. Il ne faut pas te laisser troubler, blaguer, il n'y en a pas deux chemins. Nous adorons tous le même Dieu, c'est le même Dieu, peu importe comment tu le fais, c'est le même Dieu, pourvu que nous nous retrouvions au ciel. Arrête! Ce n'est pas l'évangile de Jésus, il y a un seul chemin. On ne peut pas emprunter plusieurs chemins, car on le dit, tout chemin mène à Rome. Non, dans le cas présent, tout chemin ne mène pas à Rome. Tout chemin va t'envoyer en enfer. Le seul chemin qui va t'envoyer dans la vie, c'est le chemin Jésus-Christ. Amen. Amen. Faut pas qu'on se divise, faut pas qu'on se sépare, parce que finalement nous venons du même Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Si tu n'es pas né de Christ, tu n'iras pas au ciel. C'est tout simple. Ce n'est pas parce que je suis créé par Dieu que j'irai au ciel. C'est faux. L'association. Arrête certaines associations. Ce n'est pas de Dieu. Le seul chemin, prêche l'évangile aux autres. Annonce-leur le chemin de la vérité. Mais il ne faut pas te corrompre parce que tu veux les gagner. Amen. Non. Toi, reste dans le chemin. Sois toi. C'est le seul chemin. Le chemin. Je suis le chemin. C'est du français. Le chemin. Il aurait pu dire, je suis un chemin. J'aurais compris qu'il y en a d'autres. Mais il a dit, je suis le chemin. Je suis la vie éternelle. Alléluia. Dis aux riches de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Et ce fondement solide, c'est Christ. 1 Timothée 6, 19. Son fondement solide, c'est Jésus-Christ. C'est lui la fondation. Si tu es riche, c'est une bonne chose. Mais il faut arriver à être riche en Christ. Bâtis ta fondation sur Christ. Alléluia. Afin de saisir la vie éternelle. Parce que le socle, la base de notre vie, après la mort, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est lui qui nous introduit dans la famille royale, la famille de Christ, de Dieu le Père. Alléluia. Et Dieu ne fait acception de personne. Amen. Dieu aime tout le monde, pauvre ou riche. Amen. Ils veulent que tous parviennent à la connaissance de Christ, que tout soit sauvé. Que tout soit sauvé. Il dit, recommande-les de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Amen. Si tu es riche, il faut penser à l'autre qui est à côté. Lazare, le pauvre, est mort. Le riche aussi est mort. On n'a pas dit donner le nom du riche, mais pour le pauvre, on a donné son nom. Lazare, le pauvre, était pauvre en esprit. Il était pauvre en esprit. Il était aussi pauvre matériellement, physiquement. Il n'avait rien. Ce n'est pas une excuse pour être pauvre, hein, si tu es paresseux. Oh, pour moi, finalement, je choisis d'être ainsi, la pauvreté, parce que je vais aller au ciel. Amen. Si tu es paresseux, n'utilise pas ça comme une excuse. Amen. N'utilise pas ça comme une excuse. Parce que Jésus-Christ veut te sauver. Et Lazare, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Le riche s'est retrouvé dans le sein de Satan. Et il voulait un peu d'eau. Parce que là où il était, c'est compliqué. Amen. Pourquoi? Parce que ce riche qui est mort, Lazare était pauvre devant sa porte. Tous les jours, il dépassait Lazare. Il ne se souciait pas de Lazare. Lazare mangeait le reste de ses chiens. Amen. Il ne faisait pas cas de Lazare. Ne soyons pas comme ça. Amen. Ne soyons pas comme ça. Partage ta baguette avec quelqu'un. En fait, l'évangile, la parole de Dieu,
La fondation, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Jésus. Vous savez, Jésus n'a pas d'amour. Amen. Jésus n'a pas d'amour. Jésus est l'amour. Il y a une différence. Quand tu dis j'ai, amen, de l'argent, ça peut finir. Mais quand tu es l'argent, est-ce que le billet là peut finir? Il est. Donc Jésus est la nature, l'amour personnifié, en fait. Si Jésus donnait, il avait de l'amour, qu'il donnait de l'amour, l'amour va finir. C'est pourquoi nous, en tant qu'hommes, nous devons passer à l'autre étape, de ne pas seulement avoir de l'amour, mais de devenir l'amour. Sinon, tu vas arriver à un moment de ta vie frustré et ne pouvoir ne plus donner parce que tu as été trahi, blessé dans ton âme intérieure. Tu as été meurtri. L'amour en toi est fini. Et les gens diront, avant j'étais gentil, j'étais bien, on me prenait pour un bonbon, j'ai changé. Mais écoute, ta nature peut-elle changer? Non, tu es l'amour. Amen. Tu ne peux pas changer. Comment tu vas changer ta nature? Jésus à la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ah bon? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils t'ont crucifié là, tu sais pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Effectivement, ils ne savent pas derrière le plan. Ça, ils ne le savent pas. Mais, attends, tu crucifies un homme, tu ne sais pas que tu es en train de le tuer. Mais si on pousse la réflexion plus loin, oui, ils ne savent pas. Parce que c'était un plan arrêté par Dieu. Ça, il l'ignore. Qu'en mourant à la croix, il va sauver le monde. Ça, il l'ignore. Ok. Mais les hommes savent ce qu'ils font. Alléluia. Quand on te blesse, c'est consciemment qu'on te blesse. Mais tu vas dire comme Jésus, je pardonne parce que elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore développé l'amour dans son cœur. Mais je prie que elle n'est pas seulement l'amour, mais qu'elle devienne l'amour. C'est comme ça que tu peux arriver à pardonner. Alléluia. Sinon, ce sera difficile. Ça sera très difficile. Tu ne dois plus seulement avoir de l'amour, mais tu dois devenir l'amour. Mais comment? En étant en Christ. Si tu es en Christ, tu es l'amour. Partout où tu passes, tu es l'amour. Jésus n'est plus là physiquement. C'est l'esprit qui habite en toi. En fait, la nature divine est en toi. Donc, tu deviens l'amour. Tu ne peux pas être en même temps amour et en même temps amer. De la même bouche sort des bénédictions. De la même bouche sort des malédictions. De la même bouche sort des paroles douces. De la même bouche sort des paroles méchantes. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Quelle nature te domine? Deviens l'amour. Et je prie pour nous que nous devenions l'amour. Amen. Change ta manière de prier. Seigneur, donne-moi l'amour. Non. Hier, tu as eu l'amour. Tu vois qu'aujourd'hui, tu as du mal. Hier, tu as pardonné. Tu vois qu'aujourd'hui, tu as du mal à pardonner. Dieu me fait comprendre ces choses que je suis en train de te dire. Hier, tu as pu pardonner, mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner. Pourquoi? Parce que l'amour est fini. L'amour est fini. La méchanceté a pris le pas. Et tu vas sans te rendre compte, laisser entrer dans ton cœur ce qui va te détruire toi-même. Donc, Seigneur, que je devienne l'amour. Que je devienne l'amour. En Christ Jésus, c'est possible. Je deviens l'amour pour toi. Alléluia. Amen. Je deviens l'amour pour toi. Amen. Je m'en vais pour conclure. Ce qui éloigne les hommes, Luc 8, la convoitise des richesses, les plaisirs de la vie. Je crois que tu as compris, plus ou moins. Mais ramène-le à ta vie, analyse toi-même, regarde. Dis Seigneur, comme David sait le faire, regarde mon cœur et vois si je ne suis pas sur le bon chemin et ramène-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Ramène-moi sur le chemin de la vérité. Amen. Nous devons accepter tout le monde tel que nous sommes. On a utilisé Jacques chapitre 2. On l'a lu.
Un homme qui porte un habit magnifique entre dans le temple. Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et le pauvre, tu lui dis, tiens-toi debout. Ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Tu rabaisses tellement l'homme. Hein? Jacques 2, verset 4. Verset 1 à 4. Je suis en train de paraphraser rapidement pour toi. Il dit, toi, tiens-toi là debout. Ou bien assieds-toi au-dessus de mon marche, au-dessous de mon marchepied. C'est grave, hein? Tu as rabaissé tellement, tu l'as humilié. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Toi, assieds-toi ici. Et même pas sur mon marchepied, mais au-dessous de mon marchepied. Tu le mets plus bas que la terre. La Bible dit que Dieu fait de la terre son marchepied. N'est-ce pas? Donc Dieu marche sur toute la terre. Toi, tu prends le pauvre, tu le mets en bas de ton pied. Comme chez nous, tu es devenu tapette. J'étais en Côte d'Ivoire. On marche sur toi parce que tu es pauvre. Jacques dit non, ne fais pas ça. Ne faites pas en vous-même une distinction et ne jugez pas vous sous l'inspiration des pensées mauvaises. Non. Considère le pauvre. Élève-le. Considère le riche. Aussi. Amen. Ne le méprise pas. Il y a des pauvres qui méprisent les riches. La jalousie les entraîne dans le mépris. Parce qu'il n'arrive pas à voir ce que l'autre a. Il est jaloux, il le méprise. Il lui colle des étiquettes. Ceux-là, leur richesse, vas-y, savoir. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Où est ton problème? Parce que tu n'as pas. Et ça te fait mal. Quand tu vois l'autre béni, ça te fait mal. Non, bénis Dieu pour sa vie. S'il est béni, le Seigneur un jour m'introduira aussi dans le palais. Alléluia. Avoir de telles mentalités. Tu ne peux pas avoir ce que tu méprises. Alléluia. Je le répète. Tu ne peux pas avoir ce que tu méprises. Dans ton cœur, tu aimes l'argent. Tu veux que l'argent vienne à toi. Mais quand tu vois les riches, tu ne supportes pas leur présence. Tu penses que tu seras riche? Faut pas te blaguer. Toi-même, tu chasses l'argent de ta présence. Tu n'aimes pas, tu les vois, tu es aigri. Tu fouilles toujours. Ils ont fait sacrifice humain. Toi aussi, tu vas faire sacrifice humain. Tu ne sais pas faire sacrifice humain. Oui, il a sacrifié sa femme. Tu vas sacrifier ta femme aussi. Tu penses que c'est facile de sacrifier sa femme? Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Amen. Ce que je veux dire, c'est simple. Aime le riche, même si tu es pauvre. Dieu juge chacun. Ce n'est pas à toi de les juger. Alléluia. Ce n'est pas à toi de les juger. C'est Dieu qui jugera chacun. Ne sois pas aigri. Ton frère rend son témoignage, tu es aigri. Ta soeur rend son témoignage, demain je me marie. Il y aura réception dans le 8e. Tu es fâché, merci. Tu es fâché pourquoi? Elle vient te faire la bise pour la féliciter, même ton visage est un. Tu es pas content. Donc c'est vous seulement, Dieu béni dans l'église. Hier, c'est ton mari qui a rendu témoignage que Dieu lui a donné un contrat de 20 millions d'euros. Toi aujourd'hui, tu viens dire que tu es enceinte. Donc c'est vous seulement, Dieu béni dans l'église. Tu es fâché. Mon frère, ne te fâche pas. Amen. Ne te fâche pas. Dis, Seigneur, si tu l'as béni, c'est pour me dire que mon tour arrivera. Amen. Alléluia. Ne te fâche pas. Même dans l'église, souvent tu as même peur de rendre ton témoignage. Parce que si tu rends ton témoignage, on ne va plus t'adresser la parole. Nous tous, on est pauvres ici. Nous tous, on lutte ici. Et puis toi, tu sors de là-bas pour dire... Non, Dieu m'a béni, il m'a donné ça. Ah bon? Non, Dieu ne nous voit pas aussi. C'est toi seul qui es son enfant. Non, non, bénis Dieu pour la vie de ceux qui sont bénis autour de toi. Bénis Dieu. Dis Seigneur, merci pour leur vie. Si tu as béni mon frère, tu me béniras. Si tu as béni ma soeur, tu me béniras. Si mon frère va au mariage, c'est que j'irai au mariage. Si la sœur va au mariage,
Faut aimer l'amour, faut aimer d'abord. Je vous donne un commandement nouveau, Jean 13, 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le verset 35 dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oh Seigneur, ta parole est trop compliquée. À ceci, qui va reconnaître? Les autres. Que vous êtes mes disciples. Mais entre nous déjà, c'est compliqué. Et tu veux que les autres viennent en association avec nous? C'est pas possible. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Regardez, c'est une comparaison. Comme. Je ne comprends pas beaucoup de français, mais je sais que c'est une comparaison. Comme. Comme je vous ai aimé. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme j'ai donné ma vie, donné aussi. Comme, c'est une comparaison. Mais la problématique pour l'homme, pour le chrétien même, arrêtons même de parler de ceux qui sont dans le monde, parce que dans l'église, il y a aussi la méchanceté à un niveau incroyable. Vous voyez, il dit, comme je vous ai aimé. En fait, si je dois aimer Pasteur Edmond, je ne dois pas aimer comme moi je veux. Mais je dois aimer comme Christ veut. C'est là que nous bloquons. Pourquoi? Parce que si je regarde à ce qu'il me fait, il ne me fait rien. C'est un pasteur vraiment, il est tellement bon, tellement béni, que Dieu bénisse toujours sa vie. Amen. Il est tellement humble aussi. Je ne le dis pas pour te faire plaisir, mais c'est une vérité. Et le Saint-Esprit peut te l'attester. Amen. Si je vais l'aimer comme je veux, je vais trouver des excuses pour ne pas l'aimer. Parce que l'homme n'est pas parfait sans Christ. L'homme aura toujours des petits soucis. Les 10 000 fois qu'il m'a fait du bien, je vais les oublier et retenir la seule fois où il m'a fait du mal. Alors que Christ dit quoi? Je ne me souviens plus de vos péchés. Quelqu'un entend ce que je dis? Quand Dieu pardonne, Dieu ne se souvient plus. Quand Dieu aime, Dieu dit, je ne me souviens plus de vos péchés. Donc quand tu viens dire à Jésus, j'ai péché, pardonne-moi, il dit, je me rappelle même pas. C'est quand est-ce que tu as fait ça? J'ai déjà pardonné. Donc ce que tu veux prendre, je t'aime mon fils. Point. Donc il dit, aime-le comme je t'ai aimé. Donc s'il m'a fait du mal hier qui vient, Jésus dit, je ne me souviens pas du péché. Donc pasteur, moi aussi je ne me souviens pas. Mais c'est là que nous bloquons. Mais je prie que Dieu nous aide. C'est ma prière. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Je ne dois pas aimer la sœur comme je veux. Je ne dois pas aimer le frère comme je veux. Mais comme Christ veut. Et Christ pardonne toujours. Christ pardonne toujours. Combien de fois je dois pardonner? 7 fois, 77 fois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Amen. Ecclésias 11, 2. Donne-en une part à 7 et même 8, car tu ne sais pas quel mal, tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Matthieu 5, 42, c'est des versets que je te donne pour que tu lises après. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui peut emprunter de toi. Amen. Luc 3, verset 11, il leur répondit, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Romains 12, verset 8, et celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est-à-dire, celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille. Pour faire quoi? C'est pour avoir de l'argent. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, si tu es pauvre et tu te reconfortes dans la position de, écoute, la Bible dit les pauvres en esprit, pas les pauvres dans la poche. Et Éphésiens 4 dit, je vais relire, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Il y a des gens qui vont voler. Hein? Je vais rendre un petit témoignage. Là où je prie,
Maman Lily racontait un petit témoignage de quelqu'un qui vole dans les grandes surfaces, dans les boutiques. La personne vole des sacs et c'est de ça qu'elle vit. Les sacs qui coûtent très cher, hein, de 30 000 euros, 50 000 euros, elle travaille dans ces choses-là et elle vole. Et dernièrement, elle disait que cette personne-là, c'est une femme, elle a pris sa retraite, elle dit qu'elle ne vole plus, mais elle a formé d'autres filles à voler. Je rigolais. Oui, à voler. Elle est la retraite du vol, mais l'autre vole. La Bible dit que celui qui dérobe arrête de dérober. Mais qui part travailler? Maman va travailler. Ça, ce n'est pas un travail volé. Alléluia. Maintenant, quand il va travailler, il va avoir de l'argent. Écoutez, il dit, ton argent maintenant fait du bien. C'est pas moi qui le dis. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Moi, j'ai envie de répondre à Paul pour dire, mais que celui qui est dans le besoin aille travailler aussi. Mais quand on est dans le royaume de Dieu, je vous ai dit, le maître mot, c'est le partage, l'amour. C'est le maître mot. Donc, je vais aller travailler pour avoir de l'argent. Ce n'est même pas pour moi. Il dit de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce demeure avec toi au nom de Christ Jésus. Amen. Je donne la parole au pasteur Edmond. Amen. Amen. Seigneur, merci pour le message que tu nous as donné. Nous bénissons ton nom pour la santé et la grâce que tu nous fais. Éternel, chaque jour tu renouvelles tes bontés et tes compassions. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ton amour manifeste dans nos vies. Nous prions pour, Seigneur, les familles endeuillées, pour ce que nous voulons entendre. Nous venons entendre, Seigneur, ces mauvaises nouvelles de la séparation du corps. Je prie que tu consoles par ton Esprit Saint ces familles, éternelles, qui fortifient et les fassent en ce moment même. Éternel, perdre deux à la fois, c'est difficile. Et je prie que la consolation soit de son côté, que le Saint-Esprit fasse ce ministère en elle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette dernière qui est sortie, Père, soit totalement rétablie et guérie, au nom de Jésus-Christ. Que le cancer, Seigneur, soit éradiqué de ce corps, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te bénir en cette fin d'année. Garde chacun de nous, protège-nous contre les ruses du diable, contre les maladies, contre les accidents, Seigneur, contre les flèches de l'ennemi qui volent en plein jour, contre les contagions qui frappent en plein midi, Seigneur. Que nous soyons couverts par ton sang précieux, au nom de Jésus. Et que, Père, l'ange et la mort passent qui ne nous voient point. Que tout ce que tu as prévu pour nous s'accomplisse dans le nom de Jésus. Que chacun de nous puisse traverser, Seigneur, cette fin d'année 2022 et atteindre 2023 dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'amour de Dieu nous accompagne, que nous devenions amour, Seigneur, pour manifester tes œuvres autour de nous. Que cette semaine soit bénie et prospère. Cette semaine soit enrichie, Seigneur, dans tous les domaines. Que de bonnes nouvelles nous arrivent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis.